voulu venir quand même si on ne va pas avoir l'enterrement, ils sont venus quand même pour témoigner vraiment ce que le frère a dit pour nous. Mercredi, on était ensemble, on a fait la réunion de 11 à 14 ensemble. Il a même animé, on a beaucoup ri. On ne savait pas quoi se dire au moment. Vraiment, c'est difficile pour nous. Et nous vous demandons vraiment que Dieu nous donne du courage tous. Hein? Que Dieu nous donne du courage. Et surtout qu'il accepte dans son royaume. C'est très très difficile, mais on ne peut rien. Nous saluons la grande sœur et demander que Dieu l'aide à supporter tout ce qui reste. Et la veuve aussi, toute la famille, au nom du président, nous vous disons du courage et nous vous demandons vraiment de laisser tout à Dieu. Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça va trouver la solution pour que au moins la progéniture puisse vraiment traverser. Merci beaucoup. Si nous voulons dire que nous avons pris les bénédictions qui sont marées dans cette journée de Saint-Pierre, tu as donné, tu as repris. Quand elle accepte dans sa vie. On est 20 heures dans le comité exécutif. Mais bon, on va voir un cas de mais c'est le seul. Bon, vous d'avoir un cas. C'est le seul qui ne pense pas à lui, pense à tout le monde. Bon, on va voir un cas. Bon, on va voir un cas de courage. Jamais à lui seul. C'est Nazama. Jamais à lui seul. Parce que toujours, il défend les dossiers qui sont collectifs. Pas un dossier à lui. C'est la seule personne qui peut venir me dire non et j'accepte son nom. Le football béninois petit quelqu'un. Que ce vide qui reste là-bas pour nous le parler. Sa sincérité est immense. J'ai constaté encore sa sincérité encore. Avant-hier, à Porto-Novo, quand il me parlait de son équipe, les Panthères. Je vais t'en couper mon nez en paix.